Chronique de la monarchie populaire. On peut toujours donner une interprétation tendancieuse aux événements historiques, mais il reste les faits, les documents d'archives, les édits, les actes notariés, les dossiers des jurands des droits coutumiers, les guildes des libertés régionales à découvrir dans les greniers, mairies ou églises, comme dormant quelquefois chez les particuliers. Ces faits représentent l'honneur de la mémoire du passé comme du respect de nos anciens, qui, de là-haut, n'apprécient pas que l'on dénature leur histoire. Nous allons tenter d'apporter quelques lumières sur la vie de nos ancêtres, qui, et vous le comprendrez aisément en écoutant, n'est pas enseigné dans nos écoles. La République n'y survivrait pas. Antoine de Rivarol disait « La faveur que le gouvernement accorde au sujet doit toujours être en raison inverse de la mobilité et de leur richesse. Ainsi, celui qu'on doit favoriser le plus, c'est le laboureur. Je mets au dernier rang l'homme à argent qui, tel qu'un magicien, peut d'un trait de plume transporter sa fortune au bout du monde, et qui, n'agitant jamais que des signes, se dérobe également à la nature et à la société. Cette maxime est fondamentale, et on peut toujours juger un ministre d'après elle. » Dans un chapitre précédent, nous avions parlé de la féodalité par le mouvement des communes et dit combien celle-ci était bienfaitrice à l'époque de sa création face aux barbares envahissants. L'école républicaine la présente comme oppressive et inhumaine vis-à-vis des faibles. Écoutons Louis Dimier. Le préjugé révolutionnaire enseigne à ne reconnaître dans ce sort des petits que l'objet d'un devoir moral. Il y subordonne tout l'État. Cet intérêt particulier, dans cette fonction qui ne doit considérer que les intérêts généraux, ruine l'État sans profit pour ceux qu'on lui préfère. Ceux-ci pâtissent deux fois de la Révolution, de l'impuissance à laquelle son erreur la condamne et de la banqueroute sociale à laquelle elle aboutit. Ceci écrit dans les préjugés ennemis de l'histoire de France. Imaginons un instant les hommes vivant cette époque, construire des cathédrales, élever des familles nombreuses, subir les fléaux de la guerre et les épidémies, parcourir pour les compagnons la France entière, poser une pierre ici, tailler un meuble là. La mobilité géographique des hommes de ce temps est impressionnante, autant pour les chevaliers que pour les simples ouvriers. La fabrication des vêtements, les tapisseries, les meubles et articles divers se vendaient et se vendent encore dans le monde entier. La vue de ce tableau ferait pâlir d'envie nos économistes d'aujourd'hui. Ne parlons pas de la qualité de ces produits magnifiques qui n'ont rien à voir avec nos productions de masse, sans valeur et souvent de mauvais goût. Ce Moyen-Âge obscur dont on s'arrache les merveilles à prix d'or, devrons-nous parler de la barbarie de cette époque? Oublions-nous l'horreur dans laquelle se vautrent les sociétés dites modernes? On parle de droits de l'homme pour mieux passer sous silence l'élimination des plus faibles d'entre nous par confort. Depuis 1789, la terreur est devenue non plus le fait d'un seigneur que l'on pouvait supprimer par recours au roi par la force, mais affaire d'État, en passant par le bilan horrible de la Révolution, Pol Pot au Cambodge, Hitler et l'enfer communiste. Je ne m'étendrai pas sur la lâcheté et les compromissions de nos gouvernements, ayant laissé et souvent aidé ces horreurs. Nos sociétés matérialistes ne peuvent comprendre aujourd'hui ce qui motivait nos ancêtres tournés vers le sacré. Ceux-ci prenaient le temps de vivre et bâtissaient dans l'esprit du vrai, du beau et du bien. Les valeurs durables et solides, la traditionnelle famille vivant et grandissant dans un village et une province que l'on peut qualifier de libre, comme les métiers de jadis par ailleurs, tout cela faisait la France d'avant. Cela fait penser à certaines exclamations de libéraux disant « Nous n'avons pas les mêmes valeurs !» Mais quelles sont-elles? On aimerait tant les connaître. La société marchande? La voiture? Le porte-monnaie? Bref, le paraître. Notre peuple ne sortira de l'abîme que lorsqu'il aura compris qu'à l'irresponsabilité de l'urne, il faudra mettre la compétence et l'indépendance. Mais revenons à l'obscurité médiévale, pourtant bien plus humaine comparativement au XIXe siècle libéral, si atroce pour le monde ouvrier. Il faudrait remonter à l'Antiquité pour y voir un pareil esclavage. La Révolution de 1789, en détruisant l'architecture sociale de la monarchie, ouvrit l'ère du libéralisme. Dans les faits, plus de dimanches, la semaine de 10 jours de travail, dite du décadi, 10 à 15 heures de travail journalier sans repos, où les enfants travaillaient dès l'âge de 5 ans,
travail de nuit pour les femmes, etc. Voilà pour les acquis de 1789. Lire d'ailleurs à ce sujet René Sédillot dans Le coup de la Révolution française. Et aussi Le coup de la Terreur. Lisons sous la plume d'Alain Decaux ce que l'école n'apprend pas sur nos rois. L'Ancien Régime avait su, par le jeu savant des dimanches et des jours fériés, équilibrer de façon très remarquable le travail et le repos. Il y avait les saints romains, les saints nationaux et les saints locaux. Tous, excellent prétexte à interrompre le travail. Monsieur Patrice Boussel, dans sa passionnante et si amusante histoire des vacances, à laquelle il faut obligatoirement se référer dès qu'on aborde ces sujets, nous dit qu'au XVIe siècle, on comptait une soixantaine de fêtes chômées, outre les dimanches. Au XIIIe siècle, les ouvriers parisiens exerçant la profession de tréfileur d'arcale, fil de laiton, bénéficiaient de vacances d'un mois. Certes, c'était l'exception. Mais avec des semaines de travail d'environ 4 jours, l'ouvrier du Moyen-Âge avait joui à la fin de l'année d'une période de repos plus longue que celle à laquelle on parvient en additionnant les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés et les congés payés. Écoutons Fussel de Coulanges. De tous les régimes, la féodalité est celui qui eut ses racines au plus profond de la nature humaine. Les bienfaits de la civilisation moderne, comme l'hygiène, les techniques supprimant les labeurs pénibles, les transports, etc., ne sont pas négligeables, loin s'en faut. Mais nous avons perdu beaucoup aussi, car l'homme s'est laissé, par paresse, irresponsabilité et souci du bien-être matériel, soumettre à la société de consommation. Celle-ci est broyeuse d'énergie. Petit à petit, les valeurs qui firent notre grandeur sont abandonnées dans un magma dirigé par les médias, les phénomènes de mode et les sociétés de pensée. L'homme qui se déplace en Europe retrouve partout les mêmes musiques, les mêmes vêtements, les mêmes réflexes et publicités. Il voit disparaître ce qui faisait les particularités des pays et régions d'autrefois, riches de diversité. Les souvenirs se trouvent en boutique, fabriqués en série. Voilà pour la tradition. Dans l'ancienne France, disait le vieux maître de Martigues, foyer, paroisse, bourg, village, compagnie, province, art, métier, corps et ordre d'État, ces unités vivaces, entre lesquelles l'égalité était nulle, jouissaient de libertés magnifiques. Là-dedans foisonnaient, prospéraient les fortes familles et leur culture, leur métier, leur art, leurs costumes, leurs chansons, leurs légendes, entourées de solides cadres communautaires. La vigueur de ces cadres tenant au caractère singulièrement énergique des originaux qu'on devait contenir, non pas laminer ni briser, à forte discipline, âme plus forte qu'elle est. Par là, triomphe fréquent d'une certaine fantaisie anarchique pleine de suc. Le Moyen-Âge voyait donc dans l'homme, caractéristique des civilisations passées, de l'origine en passant par les civilisations minéennes, incas, égyptiennes, etc., l'alliance de l'art et du sacré. Imaginons nos églises telles qu'elles devaient être alors dans les cités. On y voit encore par l'illumination de la cathédrale d'Amiens ou celle de Chartres. L'on voit encore dans certains coins comme en Italie ou en Suisse, des maisons peintes à l'extérieur. Au Moyen-Âge, on peignait aussi les églises. Quelle beauté et quelle vie devaient avoir ces cités alors. Les rapports humains étaient liés par la fidélité des serments. Quelle différence avec aujourd'hui où l'hypocrisie règne. Les rapports amoureux voyaient naître l'extrême courtoisie. On mourait pour sa dame ou pour défendre l'honneur d'une dame. On est loin des bousculades dans le train et le métro pour une place assise. Individualisme total du chacun pour soi, avec la mesquinerie et la muflerie en prime. Les femmes enceintes ou non, les vieillards et les infirmes pâtissent de cette situation abrutissante, clé des principes rousseauistes. Notre époque est celle du fonctionnaire roi et du pouvoir médiatique, où tout esprit libre se fait broyer par le système médiocre qui nous domine. Écoutons Pierre Gaxotte. Quand le sceptre de Charlemagne eut glissé des mains débiles de ses successeurs, une génération de soldats se leva pour en ramasser les morceaux, dit dans la Révolution française. Imaginons un instant l'état de la France avant la lente et patiente œuvre constructive du précapétien par nos rois, simples seigneurs d'alors. Les chroniqueurs du temps ne parlaient que de désolation, pillages et massacres. Une grande terreur s'empara des populations qui fuyaient et cherchaient refuge dans les campagnes, bois et lieux protégés. La sécurité régnait, les seuls piliers d'ordre se trouvaient auprès de valeureux et audacieux chefs de bande. La France était un canevas de juridiction, de places fortes et villes fortifiées, de droits de passage. L'hôtel de Soubise,
lieu des archives nationales, fut jusqu'à la Révolution soumis à un droit de passage, considéré comme normal en ce temps. Autre mentalité d'alors. La Révolution bourgeoise supprima ce droit au détriment des citoyens, obligés de contourner le lieu pour passer. Deux groupes d'hommes se rapprochèrent pour survivre. Les seigneurs protecteurs concluèrent un pacte pour faire face au fléau avec les paysans nourriciers. Ce contrat était un lien de fidélité, d'où déboucha la féodalité. Durant ce temps, par un travail opiniâtre, nos rois assemblèrent parcelle après parcelle, en respectant les coutumes, droits et privilèges locaux, notre belle terre de France. Les rois seuls, purs et sûrs, pacifiés, puis unirent, du nord au midi, les fortes personnalités d'alors qui firent les Français que nous sommes aujourd'hui. Alors que l'Angleterre vit toujours en situation de guerre civile, en paix depuis peu, avec ses régions qu'elle n'a jamais su intégrer, le roi put rassembler la mosaïque régionale française pour en faire un tout national. Ils soumirent les seigneurs récalcitrants à l'appel des communes. C'était l'époque où déambulait dans les chemins du petit royaume le roi Louis VI dit le Gros. Aimable et bon, au point qu'il en passait pour bête, dit suggère l'abbé de Saint-Denis. Il est toujours bon de sortir la vérité des archives afin de confronter les incohérences de la pensée dominante. Inlassablement, nous montrerons le caractère indéniable de l'humanisme réel, d'une institution ancrée dans l'inconscient collectif de notre peuple, le caractère social et populaire de la monarchie. Notre jour viendra.